Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette rencontre organisée en partenariat avec Entrevue, rencontre consacrée à de passionnantes revues littéraires. Avec moi aujourd'hui Marion Graff, traductrice et responsable de publication de la revue de Belles Lettres, Hervé Laurent, éditeur et rédacteur en chef de L'Ours Blanc, et Éric Pesty, imprimeur et éditeur de Cauche-Conongue. Bonjour à tous les trois, merci d'être avec nous aujourd'hui à la BPI. Qu'est-ce qui, les uns et les autres, vous ont poussé à créer des revues ou à rejoindre l'équipe d'une revue, des revues très différentes? On va bien évidemment en parler. Mais l'élan de départ, d'où vient-il? De quel constat? De quelle envie? Hervé, L'Ours Blanc est né de l'envie assez simple, finalement, de donner à lire des textes que vous aimiez et que vous aviez envie de défendre, des travaux expérimentaux. Vous, parce que je vous vois, bien évidemment, mais aussi parce que vous êtes plusieurs à l'origine de cette revue L'Ours Blanc. Oui, absolument. Donc la revue, je la représente aujourd'hui, mais en fait, à l'heure où je vous parle, nous sommes six à y travailler activement, et nous étions trois au départ à la fonder, mais l'idée est restée la même. Comme vous l'avez dit, c'est de publier des textes qui nous intéressent, qui nous plaisent, qui nous séduisent, mais aussi peut-être... créant une revue dans un paysage où des revues, il en existe déjà beaucoup, des revues littéraires notamment, des prestigieuses en plus en Suisse, comme la revue de Belles Lettres que représente Marion aujourd'hui. L'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autre chose ou autrement, ou est-ce qu'on a encore à défendre des textes qui peut-être sans nous n'obtiendraient pas, n'acquerraient pas la visibilité ou n'atteindraient pas le public que nous espérons qu'ils vont acquérir. Donc cette idée, c'était celle-là. Il se trouve que, publiant des textes de recherche, nous publions beaucoup de poésie, parce qu'aujourd'hui, sous cette étiquette poésie, on range les textes que d'ordinaire on n'arrive pas trop à mettre ailleurs. Donc ces textes qui ont des inscriptions génériques un peu problématiques. Donc voilà, ça c'était le point de départ. Ensuite, l'autre idée, c'était de se dire, est-ce qu'on va faire une revue à sommaire, une revue sans sommaire? Quelle sera la taille de la revue? Au fond, on se pose un tas de questions qui sont des questions à la fois de l'ordre pratique, mais aussi éditoriaux quand on lance une revue. Et donc, après avoir beaucoup discuté, on avait envie de faire une revue qui soit à la fois... qui offre suffisamment d'espace et suffisamment de pages à un ou une auteur pour publier un texte suffisamment long qui permettrait de rendre compte aussi de son travail et de sa recherche, ce qui n'est pas toujours le cas dans les revues à sommaire, puisque là, on a un nombre de pages plus limité, puisqu'on a plusieurs auteurs. Donc, le format, c'était offrir au fond une trentaine de pages par auteur. Et puis, du coup, on s'est dit, on n'en invite qu'un ou qu'une. Et on constitue une petite collection de textes. Donc, on est à la fois une revue, parce qu'on publie régulièrement des numéros, qui portent un numéro, qui portent une date, mais aussi on est une petite collection de textes. Et on va bien évidemment parler de ces autrices et de ces auteurs que vous publiez et du format. C'est effectivement un point extrêmement, extrêmement intéressant. Mais vous disiez, on publie de la poésie, ou en tout cas ce qu'on appelle de la poésie, faute de savoir très bien comment ranger ces écrits. Je vous ai déjà entendu dire que ce qui vous intéressait à L'Ours Blanc, c'était une littérature du dérangement, que la littérature redevienne une activité aventureuse. Oui, bon, je pense qu'elle l'a toujours été, ou que la littérature a cette qualité-là. Revenant peut-être sur l'intitulé de notre conversation, où il est question du réel, comment est-ce qu'on s'approprie le réel à travers les revues, j'avoue que ça m'a fait un peu peur, parce que
Je pense que le réel, on le construit en fait, et on le construit dans la langue. Donc ce qui nous intéresse, c'est de voir quels sont les modèles de réel que permettent de construire l'écriture poétique ou une écriture de recherche, et qui s'éloignent ou qui interrogent ou qui mettent en perspective ou qui désorganisent effectivement les représentations du réel courantes telles qu'on les rencontre dans d'autres types de récits, la presse, la fiction courante, etc. Donc c'est vrai que notre axe de recherche est toujours orienté vers ce type d'écriture-là. Et pourquoi l'ours blanc ? Ça, c'est la question que tout le monde nous pose et j'ai décidé de ne plus y répondre. D'accord. On ira rechercher les raisons premières. En tout cas, on retrouve toujours un ours dessiné en Alors, quatrième. Alors, par contre, voilà, y a aussi cette idée que, c'est peut-être une coquetterie, mais nous constituons d'une part une bibliothèque de l'ours blanc, c'est-à-dire dans chaque numéro de la revue, il y a un texte dans lequel il est question d'un ours polaire ou d'un ours blanc. Et c'est là qu'on s'aperçoit, puisqu'on a commencé à chercher, que rares sont les écrivains qui n'ont pas à un moment ou à un autre abordé la question de l'ours blanc. Et puis, pour chaque exemplaire de la revue, il y a un dessin d'ours sur la quatrième de couverture. Certains issus, donc, effectivement, d'une iconographie qu'on a recherchée, et puis d'autres qui sont des dessins de commande. Il y a même un dessin d'enfant, ça, c'est ma petite nièce qui a dessiné un ours blanc. Et voilà, donc il y a cette idée aussi quand même que quand on fait un objet papier, il faut qu'il y ait de bonnes raisons pour qu'il soit en papier. Aujourd'hui, on sait qu'on nous posera la question à un moment ou à un autre, pourquoi ne faites-vous pas une revue sur Internet ? Et donc, il y a une attention tout à fait particulière qui est portée à la maquette de chacun des numéros de l'ours blanc. Nous publions des textes de recherche, mais la graphiste qui travaille pour les éditions Hérolimite et aussi pour la revue Gaia Biaggi utilise la revue vraiment comme son laboratoire pour essayer des choses sur le plan du graphisme. Et on va en parler parce que je pense que vous vous retrouvez sur ce point, notamment avec Eric. Eric Koshkonong, comment est née cette revue que Jean Dev dirige, c'est écrit sur la couverture. Comment est-ce que cette aventure s'est lancée ? Eh bien, donc, voilà, moi, je suis l'éditeur et l'imprimeur de la revue Koshkonong, et donc, c'est une proposition de Jean Dev, finalement, qui est un grand revuiste, qui a déjà dans son parcours, qui avait déjà trois revues importantes à son, comment dire, à son actif, Fragments dans les années 70, Fig dans les années 90 et Fin dans les années 2000. Et finalement, Koshkonong est venu comme une quatrième revue. Donc la proposition m'a été faite par Jean d'entreprendre, se lancer là dans l'aventure d'une revue. L'argument de Jean, c'était tout éditeur doit avoir publié une revue. C'était son argument massue. Donc voilà, donc on s'y est attelé. Et sachant que là, il y a une cinquième revue quand même que je souligne au passage, qui s'appelle Brille Babil, dont le premier numéro est paru en fin d'année dernière. Un deuxième numéro est en cours. Donc il y a une cinquième revue de Jean Dev, et là qui est en co-direction avec un psychanalyste qui s'appelle Jean-Michel Gentison. Voilà. Et donc, moi, je me suis associé à ce projet que Jean avait. Je connaissais suffisamment bien ces trois premières revues pour immédiatement lui poser un problème qui était un problème technique, c'est-à-dire ces revues faisaient jusqu'ici 96 pages, étaient trimestrielles, et moi je ne pouvais pas assurer. Je suis un petit éditeur, j'ai aussi une fabrication artisanale, et je ne pouvais pas assurer ni ce rythme, ni cette importance dans la production des numéros. Et donc je lui ai proposé, chose qu'il a acceptée, et ça je m'en réjouis vraiment, tirer les cordages et de réduire le tout. Puisque chaque numéro fait 20 pages. C'est ça, c'est 20 pages et il y en a 3 par an. Quand on y arrive, là, ces temps-ci, peut-être c'est plutôt 2. Voilà, donc on essaie de s'adapter
à ce monde quand même bizarre dans lequel on est. Et il faut quand même qu'il y ait une réalité au niveau de la production. Les frais de port sont exorbitants. On essaie de passer entre les gouttes. Enfin bon, on essaie de faire une revue. C'est aussi l'histoire de s'il y a du réel aussi qui est à prendre en compte. C'est un réel que celui de la production, enfin, et de l'inscription d'une revue dans le monde actuel. Et au-delà du fait que chaque éditeur doit avoir sa revue, comment est-ce que Jean vous a présenté ce projet au niveau de ce qui est publié ? Tout à l'heure, on parlait avec Hervé du fait qu'il ne voulait pas une revue à sommaire. On retrouve dans Kochkonong un sommaire à la fin. Voilà, comment est-ce que la revue s'est construite ? À partir de quelle envie ? Jean, c'est un homme de sommaire. donc, pour lui, il est impossible. Je lui ai proposé, des fois, on était dans des sortes d'impasses, enfin, qu'on a résolues quand même, de savoir qu'il y avait un très long texte. Notamment, il y a un texte splendide de Roger Giroux qui fait 16 pages. Et donc, on avait du mal. Moi, j'avais du mal à penser un numéro avec un texte aussi important de 16 pages. Et pour Jean, il était exclu qu'il n'y ait qu'un seul auteur par numéro. Simplement, il a dit non, c'est pas possible, on va augmenter la pagination pour pouvoir avoir un sommaire finalement. Donc Jean est vraiment sa pensée de la revue, c'est la pensée du sommaire, de l'organisation du sommaire, mais au-delà, on peut dire que c'est l'organisation des numéros, puisqu'il y a des rebonds de numéro à numéro, tout ça est tissé avec une invention d'araignée, pour dire que c'est une toile qui est impressionnante. Et en fait, moi, j'ai été plus jeté dedans que Jean m'a expliqué exactement quel était son projet. J'ai constaté que la chose se construisait et je suis ébloui. En fait, je suis ébloui par la façon dont Jean pense la revue, les sommaires, et c'est vraiment merveilleux. Voilà. Donc moi, je suis présent ici, mais c'est plutôt comme, je dirais, comme lecteur, un lecteur un peu privilégié, puisque j'ai les textes le premier, on va dire. Mais sinon, c'est vraiment Jean qui pense le tout. Ouais. Je ne sais pas si je dois oser vous poser la question du nom de la revue, parce que j'imagine qu'à vous aussi, on vous la pose sans cesse. Un nom étonnant, Kochkonong. Voilà, c'est le nom d'un lac dans le Wisconsin, excusez mon accent anglais, qui ne doit pas être très bon, et auprès duquel habitait Lorin Nidecker, qui est une poète américaine très importante, et à propos de laquelle Jean Dev a écrit un livre qui s'appelle « Une femme de quelques vies ». Et donc, dans la première page du livre, il y a écrit le lac Kochkonong, donc dans Une femme de quelques vies. Et donc, il était allé mener une enquête. Il était donc, s'était rendu auprès du lac Kochkonong. Il avait fait des photos de la cabane dans laquelle, parce que c'était guère plus qu'une cabane, dans laquelle Lorin Nidecker a vécu toute sa vie. Et il était donc imprégné de cette humidité, de ce côté lacustre, de ce froid aussi, parce que c'est les grands lacs là-haut, près du Canada, je crois, si je ne me trompe pas. C'est dans la foulée, j'imagine, de l'écriture d'Une femme de quelques vies que l'idée du titre Kochkonong s'est imposée. Et alors, ce que je peux faire remarquer, c'est que les trois premières revues de Jean s'appelaient Fragments, Figues et Fin, donc avec à chaque fois un F. Et là, Kochkonong, ça a été la surprise, quand même. On a été très surpris. Voilà. Marion, la revue de Belles Lettres, tout le monde la connaît. Elle a plus de 140 ans d'âge. C'est une des plus anciennes revues de poésie. Deux numéros par an sont publiés. Comment est-ce que vous avez rejoint cette aventure de la revue de Belles Lettres ? Et est-ce que vous pouvez nous raconter comment celle-ci a été créée ? C'est une très très longue histoire, vous l'avez signalé. Je pense que toute personne en Suisse qui s'intéresse à la poésie connaît cette revue, parce que c'est vrai que tant pour de jeunes poètes comme, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un comme Denis de Rougemont, que tout le monde connaît comme prosateur, il a fait ses débuts dans la revue de Belles Lettres, dans l'entre-deux-guerres, comme poète.
Et il n'est pas le seul, voilà, c'était juste un exemple. Soit comme jeune poète, on y a écrit, soit comme lecteur passionné de poésie, on l'a lu. Donc j'y ai été abonnée bien des années avant d'imaginer que je pourrais un jour m'occuper de cette revue. Elle a publié des numéros spéciaux, en particulier sur des grands poètes russes, Mandelstam, Anna Akhmatova, ou bien un numéro sur Paul Celan, l'année même de sa mort. Donc elle a joué un rôle pionnier, voilà, ces poètes russes dont je parle, avant même que la France les reconnaisse, disons, à leur juste valeur. Si on veut, cette revue leur avait déjà fait une très belle place. Philippe Jacotet a été une des grandes figures inspiratrices pour toute une génération de rédacteurs. Donc elle a une place privilégiée dans l'histoire de la poésie en Suisse. Quand on m'a demandé de reprendre le flambeau, si on veut, ou la barre, c'était il y a 12 ans, j'ai accepté parce que j'aime beaucoup dans cette revue son... D'abord que ce soit une revue de création et non pas d'analyse. Et ensuite, j'aime beaucoup ce côté extrêmement ouvert, décloisonné de cette revue, qui est ouverte aussi bien à des voix confirmées, on peut dire, de Suisse, non seulement de Suisse romande, mais de Suisse italienne, de Suisse alémanique, des voix jeunes, émergentes, pour lesquelles on dresse l'oreille. Et puis, une grande ouverture à la traduction et aussi à l'illustration qui prend une place importante, et toujours dans un cadre relativement classique, disons. Je dirais que le travail éditorial se fait dans une grande discrétion pour laisser le lecteur s'ébattre, découvrir, circuler dans la revue. Donc elle garde une certaine réserve au point de vue typographique aussi, qu'on a rompu dans le tout dernier numéro. Voilà. Le jeunesse, enfantine. Tandis que la présentation classique, la voici, avec une couleur par année. On a deux numéros par an, des numéros qui vont de 150 à 250, 300 pages. Vous voyez, donc là, c'est une autre année, avec cette jolie couleur turquoise. La revue comporte, ça, c'est une nouveauté que j'ai introduite, comporte en général un ou deux dossiers qui permettent aussi à ces différents numéros de tenir le haut du pavé pendant un certain temps. Voilà. On a publié aussi quelquefois des numéros spéciaux. Enfin, c'est un espace dans lequel on peut créer et imaginer toutes sortes de formats, de rencontres, toujours dans un esprit justement de décloisonnement. Et vous parliez du fait que c'était de la création. Quand on travaille pour une revue qui a l'histoire que vous avez racontée, on a une certaine responsabilité aussi dans les textes qu'on choisit de publier. Comment est-ce que se passe cette phase justement de lecture, de choix des textes, puisque j'imagine que votre revue étant très identifiée, vous recevez de nombreuses contributions. Est-ce que les textes qui sont publiés viennent majoritairement de gens qui vous écrivent, qui vous envoient leurs textes? J'imagine qu'il y a aussi tout un travail, j'allais dire, de veille, c'est-à-dire d'être à l'affût des jeunes talents, des personnes à qui on va pouvoir parler de cette revue et exprimer le souhait de travailler ensemble. Comment est-ce que vous construisez très concrètement les sommaires de vos numéros? Nous travaillons en comité de rédaction. On a constitué un petit comité de rédaction, pas très nombreux, avec deux membres du comité sont à Paris. L'un est lui-même écrivain, Amaury Noroy. Estelle Copolani est une jeune spécialiste de Derek Walcott, donc spécialiste aussi d'une poésie très ouverte sur les lointains, si on veut. Et puis en Suisse, nous sommes trois en ce moment, mais voilà, les choses bougent aussi, avec une perspective que j'ai évidemment un tout petit peu accentuée, c'est la traduction. Alors évidemment, on reçoit beaucoup de propositions, on reçoit parfois ce qu'on appelle des dossiers clés en main, mais on aime bien y mettre notre grain de sel, donc on entre en dialogue quand c'est un dossier potentiellement intéressant pour le façonner à notre gré. Mais c'est vrai que la plupart des textes que nous publions, c'est des textes que nous demandons en fait plus souvent. Mais c'est vrai qu'il arrive qu'on ait des textes qui nous arrivent et qui nous séduisent, qui nous surprennent et qu'on découvre aussi de nouvelles voies.
assez souvent, les éditeurs, me semble-t-il, sont attentifs à ce qu'on publie, et c'est un bon tremplin pour des jeunes poètes. Hervé, c'est aussi une façon, et d'ailleurs vous l'avez exprimé tout à l'heure, vous disiez que souvent parmi les premières publications, il y a la publication dans une revue. Vous avez aussi cela en tête quand vous publiez des autrices, des auteurs à l'ours blanc, de vous dire, ben voilà, c'est une première étape et c'est aussi un accompagnement pour faire éclore finalement une autrice ou un auteur. Alors ça, c'est clair, ça a été une des lignes directrices de la revue, parce que, de par mon histoire aussi, puisque je me suis occupé pendant longtemps de l'atelier d'écriture de l'École des Beaux-Arts, la HEA2 à Genève, et donc j'accompagnais des écritures qui étaient en train de se découvrir souvent même, pour des gens qui s'orientaient en art et puis qui tout d'un coup se rendaient compte qu'ils avaient quelque chose à faire avec l'écriture. Donc c'est clair que l'idée était aussi de publier des jeunes auteurs. Après, c'est vrai que la revue ne s'est peut-être pas donné d'autres objectifs au départ, mais les a rencontrés tout simplement dans sa pratique numéro après numéro. Dès le départ, on avait aussi dans l'équipe un traducteur. Marion, on parle pour la revue de Belles Lettres, et nous, on avait Vincent Barras, qui est un traducteur étonnant parce qu'il traduit aussi bien l'anglais que l'allemand, que l'italien, le grec, etc., et le grec moderne. Et donc, il y a tout un volet de la revue aussi qui consiste à publier en traduction des textes, encore une fois, qui sont des textes, alors soit émanant d'auteurs reconnus, identifiés par l'histoire de la littérature, mais ce sont toujours des textes marginaux. Par exemple, on a publié d'Eduardo Sanguinetti le livret qu'il avait écrit pour un oratorio de Berlioz, voilà, des choses comme ça. Donc il y a cette ligne-là qu'on poursuit très régulièrement. Dans les deux prochaines livraisons que l'on va faire de l'Ours blanc, il y aura à chaque fois une traduction. La première fois d'une poète allemande qui s'appelle Elke Herb, qui a été très peu traduite et qui pourtant a beaucoup d'écho dans son pays et dans le monde germanophone en particulier, mais qui est aussi une poétesse extrêmement difficile à traduire parce qu'elle aussi a des procédures d'écriture qui sont extrêmement complexes. Donc on garde toujours cette idée-là. Et puis, je dirais qu'on a aussi entrepris des partenariats avec des écrivains ou des poètes reconnus francophones. Et à ce moment-là, ça se fait un peu sous la forme de la commande, là aussi, ou en tout cas de la proposition. Et c'est très compliqué, parce que je peux proposer à un auteur ou à une autrice d'écrire un texte, mais après, il faut que ça passe en lecture dans le comité, et ça peut être rejeté, donc c'est pas simple. Mais là aussi, en leur proposant à chaque fois d'utiliser la revue pour publier un texte qu'ils ne destineraient pas autrement à la publication, qui ne rentrerait pas dans les canaux qui sont les leurs et dans lesquels ils publient leur œuvre. Donc c'est toujours une manière d'essayer de faire émerger des formes, des expériences, des recherches qui n'auraient pas cours ailleurs ou qui ne seraient pas montrées autrement. Voilà. Et vous vous apercevez qu'ils sont demandeurs de cela? Parce que j'imagine que dans les retours que vous avez, enfin qu'ils voient ça comme un terrain de jeu assez génial. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y en a certains où, au contraire, vous les connaissez, mais où ça fait un petit peu peur de se dire, oula, est-ce que je me lance là-dedans? En tout cas, est-ce que vous avez le sentiment que ça vient, j'allais dire, combler un manque quelque part? C'est-à-dire de vous apercevoir qu'en contactant les autrices, les auteurs, vous vous apercevez qu'il y avait effectivement un besoin de ces espaces-là? Alors, ça fait 4 ans que nous existons, et ce qui me fait très plaisir, c'est que, je dirais, depuis une année, effectivement, un certain nombre d'auteurs nous ont identifiés et puis s'adressent à nous en toute connaissance de cause, donc en sachant qu'effectivement, ils vont pouvoir proposer là des textes qui sont des textes qu'ils ne destineraient pas autrement à la publication ou qui en ont eu l'idée tout simplement pour l'Ours blanc. Donc, on a eu des textes qui ont été écrits spécialement pour la revue.
Par exemple, Pascal Poyet, qui est poète, qui publie notamment chez Eric Pesty, avait pensé un texte pour l'ours blanc et même pour la structure de l'ours blanc, parce qu'on a cette particularité dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, qui est d'avoir les pages d'information, les impressum et compagnie, au milieu de chaque numéro sur des papiers de couleurs différentes. Et Pascal a écrit un très beau texte qui est une longue méditation sur la dernière phrase du Tractatus, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. En fonction de cette forme-là, de cette structure-là. Donc la première partie de son texte, c'est 30 fragments qui réfléchissent sur ce que peut bien vouloir signifier pour un poète cette injonction très mystérieuse par laquelle Wittgenstein à la fois clôt mais ouvre également le Tractatus. Et puis, on passait les pages du milieu, on les passe, et ensuite arrive un 31e texte qui couvre, lui, toute la seconde partie du cahier et qui est un texte écrit en utilisant et en mettant au futur tous les verbes qui sont les verbes qu'on trouve dans les traductions françaises du Tractatus. Donc il y a aussi, ça c'est assez passionnant pour une revue, d'avoir à un moment donné, tout d'un coup, de susciter au fond une création typiquement et spécialement pour la revue. Je ne sais pas si vous avez des choses comme ça ou si ça passe toujours par le filtre de Jean Dev. Non, je crois que moi, ce qui m'étonne toujours dans la revue, c'est que, disons que cet espace éditorial n'existait pas. On le crée, on décide et il s'investit. C'est pas des questions de vouloir, enfin c'est pas des vouloirs très forcément très prononcés, mais la chose se construit à plusieurs et on est toujours assez étonné de la part de participation que chacun donne vraiment avec chaleur et enthousiasme dans la construction d'un ensemble qui n'appartient à personne finalement. Et ça, je trouve ça assez beau. Alors moi, je ne pourrais pas témoigner de texte qui a été écrit spécifiquement pour Koshkonong, mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que Claude Royer-Journoux a publié ses deux derniers livres dans Koshkonong, et j'imagine que, enfin, pas tout à fait, le précédent était pas tout, il y avait des séquences qui n'appartenaient pas à Koshkonong, mais sans Koshkonong, Claude Royer-Journoux aurait-il publié le livre? C'est une question qu'on peut se poser. Et je pense que c'est un moteur pour un certain nombre d'auteurs. Il y a aussi tous les inédits d'Anne-Marie Albiac qui ont été publiés dans Koshkonong. Et ça, c'est pour la génération de Jean Dev. Mais il y a des jeunes auteurs aussi qui contribuent à Koshkonong et qui contribuent à inventer la forme que prend Koshkonong et dont personne n'a l'exacte maîtrise, je crois. Et Marion, comme Hervé parlait de traduction, il y a aussi des traductions dans Koshkonong. Oui, tout à fait. Il y a notamment de l'américain, il y a un certain nombre de traducteurs qui sont attachés, et de l'allemand, de l'américain, il y a un certain nombre de traducteurs que suit Jean Dev, certains que je pense avoir contribué à lui faire rencontrer, comme Martin Richet, ou Christophe Mescolini. Il y a Michel Cohen-Halimi qui contribue dans les revues de Jean Dev depuis très longtemps, ils sont très proches. Voilà, la part de la traduction est aussi importante. Et il y a un numéro 15, le numéro 15 de Koshkonong, qui est étonnant par la mise en œuvre d'une sorte de poétique de traduction qui est assez impressionnante et dont moi j'ai été le premier surpris et admiratif. Ce numéro 15 est très beau. Marion, une des particularités de la revue de Belles Lettres et de ses traductions, c'est qu'on peut retrouver le texte dans la langue d'origine avec sa traduction. C'est le cas depuis le début de la revue ou bien c'est un choix plus récent? Et pourquoi ce choix de conserver les deux langues? C'est un choix, je crois, qui date d'il y a un bon moment, en fait, dans la revue.
qui met en valeur aussi la diversité des langues. On aime cette présence de caractères parfois difficiles à déchiffrer. Et c'est vrai que quelqu'un me faisait remarquer récemment que dans beaucoup de revues, la dimension anglo-saxonne est très, très dominante. Et je pense que la revue de Belles-Lettres ici tient une place un petit peu à part, peut-être à cause de son ancrage en Suisse, où on est orienté aussi bien vers la langue italienne, et nous, on a publié évidemment de l'espagnol aussi, et vers l'Est, une très grande ouverture assez historique, je dirais, de la revue vers l'Est. On a publié, par exemple, un numéro Danube, avec des poètes contemporains qui ont tous quelque chose à nous dire, 30 ans après Magris et après les guerres des Balkans. Voilà qui nous envoient leurs poèmes dans leur langue. Et je trouve ce numéro magnifique parce qu'on a vraiment un fleuve de textes qui vient à nous comme ça, avec justement cette diversité des langues, des caractères et une très étrange alchimie qui s'opère parce que on ne peut pas le forcer, mais il se trouve que chaque numéro trouve son étrange cohérence. Et je crois que les lecteurs de poésie attentifs aiment ça dans une revue, cette espèce de chemin qu'eux-mêmes doivent se tracer entre des textes qui sont mystérieusement reliés. Peut-être parce qu'ils ont un rapport à aujourd'hui, simplement, et qu'ils ont été choisis par un petit collectif qui est enraciné dans son temps. Hervé parlait tout à l'heure de la poésie en disant justement qu'on pouvait dire que c'était de la poésie parce que ce sont des formes qu'on ne sait pas très bien forcément nommer. Et c'est ce qu'on voit dans vos trois revues, c'est justement la diversité du maniement des mots et comment est-ce que, j'allais dire, il n'y a pas de limite, ou en tout cas comment est-ce qu'on continue à explorer et comment est-ce que il y a une diversité folle en fait d'écrits qu'on ne soupçonne peut-être pas quand on n'est pas attentif, quand on ne lit pas forcément de revues, qu'on n'est pas à la recherche de ces autrices et de ces auteurs. Vous ressentez ça quand vous composez justement vos numéros, quand vous passez ces commandes de textes, vous vous dites, et j'imagine que vous vous le dites depuis le début, mais que la poésie permet cela, permet une expression multiple et permet d'exprimer des choses extrêmement fortes de tellement de manières différentes. Pour moi, la poésie, c'est vraiment de l'ordre de l'expérience. Donc, je suis peut-être par mes goûts et ce qui m'intéresse, peut-être moins portée sur une poésie extraordinairement littéraliste, expérimentale, si on veut. Donc voilà, après je pense que chaque revue porte un peu la signature de sensibilité, et c'est vrai que dans la revue de Belles-Lettres on a plutôt gardé cette ligne d'une poésie qui c'est un peu plat de dire s'adresse à l'émotion, mais elle touche à l'existentiel, je dirais. Et au point de vue formel, forcément un grand poète innove, nous propose des textes que nul autre n'aurait écrits. Donc il y a aussi cette dimension-là. Mais je crois que c'est un petit peu de cette façon-là que la revue se situe, sans avoir jamais prétendu définir une ligne. Par exemple, souvent on nous a demandé, mais quelle est votre ligne ? Ce n'est pas du tout un discours théorique qui anticipe. Voilà, ça se passe autrement. Hervé, on parlait tout à l'heure un petit peu de la mise en page et du travail de Gaia Biaggi, qui est absolument remarquable quand on lit ces petits livres agrafés. Comment est-ce que vous travaillez avec elle et comment est-ce que les autrices, les auteurs aussi travaillent avec elle? Parce que c'est une part importante de cette revue. Oui, alors vous faites bien de dire que ce sont des agrafés parce qu'il y a aussi cette dimension qu'avait évoqué Eric tout à l'heure. Aussi d'une économie, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de faire l'objet le moins cher possible, étant entendu qu'aujourd'hui, les frais effectivement de port coûtent presque plus cher que les frais de fabrication des revues, mais ça n'empêche pas qu'on fasse porter un effort tout particulier sur la mise en page, sur le travail qui est le travail du graphisme, donc qu'on fasse un objet à la fois précieux mais qui coûte rien à fabriquer. C'est ça qui marque la première chose, c'est-à-dire que même quand on les feuillette, on se rend compte qu'ils sont tous absolument différents, avant même de les avoir lus, c'est ce qui marque.
Et alors, le travail avec Gaïa, c'est assez passionnant, je trouve, parce que j'ai parlé de l'équipe du comité de lecture. Elle y vient, mais elle n'en fait pas partie. Elle n'a jamais voulu et elle est très silencieuse. Donc, je ne l'ai jamais entendue émettre un avis sur les textes que nous allions publier. C'est au fond le comité qui choisit. Et par contre, je me rends compte de sa lecture après quand je vois la maquette qu'elle a faite pour le texte, c'est-à-dire qu'elle opère effectivement, mais au niveau graphique, une lecture du texte. Et qu'à chaque fois, dans la mise en page, interviennent des variations, des modifications, des inventions minuscules que quelquefois je n'ai découvert que 3 ou 4 numéros après en me disant « Tiens, elle fait comme ça là, mais c'était pas comme ça là-bas ». Et qui est une véritable co-création. Donc il y a cette lecture-là qu'elle fait du texte, est aussi une lecture après qui est proposée à ceux qui vont s'en saisir dans cette forme-là. Et jusqu'à présent, les auteurs adorent. C'est-à-dire qu'ils ont toujours été extrêmement impressionnés par la qualité justement du travail graphique, l'intelligence du travail graphique. Est-ce que ça leur faisait découvrir même parfois de leur propre texte, quoi. Voilà, bon, après, il faut les voir. Je ne peux pas en dire plus parce qu'il faudrait qu'on projette des choses. Vous les montrer, mais effectivement, c'est quelque chose de marquant avant même la lecture des textes. Et alors, du coup, si vous le permettez, je pose une question à Eric parce que en l'entendant parler tout à l'heure, il disait, c'est Jean Dev, c'est la revue de Jean Dev, moi, je suis, etc. Qui fait le graphisme? C'est toi? Oui. Ah. Non, mais donc moi je serai dans la position de peut-être Gaïa. Peut-être qu'il faut lui demander de parler de son graphisme. Je suis dans la position de Gaïa. Je ne dis rien et on fait une proposition, voilà. Oui, voilà. Et bon, bah, moi en plus ça se leste du fait que c'est en typo, en typographie avec du plomb mobile. Donc il y a des contraintes matérielles qui sont vraiment très fortes. Et avec laquelle il faut que je jongle de façon à faire rentrer les textes et le sommaire que Jean a conçu dans le nombre de pages imparties, avec des fois des difficultés, d'autres fois il faut que j'augmente de 4 pages. Donc il y a tout un tas de contraintes. Par ailleurs, ce qui est aussi peut-être la caractéristique de Koshkonong, c'est quand j'ai commencé, maintenant c'est toujours le cas d'ailleurs, je n'ai pas assez de plomb, puisque c'est dans des casses, pour composer un numéro entier dans une seule police. Donc il faut que je jongle. Et forcément, changer de police de caractère, de fonte, à tel moment, pour tel texte et tout ça, ça porte un sens. Là, il est contraint, mais comme on sait bien que la littérature travaille avec la contrainte, donc là, il y a une contrainte matérielle qui vient se surajouter et qui donne sans doute le cachet un peu particulier de Koshkonong, mais ce que je veux dire quand même, c'est que ce cachet-là, on l'avait dans les revues du début du XXe siècle, c'est-à-dire dans Nord-Sud, c'est-à-dire dans 391. Nord-Sud, c'était Reverdy, 391, c'est Picabia. Toutes ces revues-là, elles se sont faites chez les imprimeurs du quartier. Et ils étaient tombés en rade de plomb aussi bien que moi, et donc il fallait qu'ils jonglent. Et donc quand on regarde, on voit évidemment que les revues, elles sont composées de plusieurs, ou le grand jeu, ou quoi que ce soit, elles sont composées de plusieurs corps de caractère. Et donc je n'ai pas l'impression d'inventer quoi que ce soit à ce niveau-là, j'ai juste regardé attentivement quand il a fallu que je m'y attelle. J'ai regardé attentivement ce qu'avaient fait mes illustres prédécesseurs et je me suis assuré une base de matériel qui me permettait de faire 20 pages. Mais c'est vrai que si on choisit une fonte pour un texte, notamment dans une revue où il y a plusieurs textes différents, eh bien, on crée une sorte de profondeur de champ ou de quelque chose de cet ordre-là dans la revue. Voilà, donc c'est le travail de la typographie que Gaïa fait un ours blanc après l'autre, finalement. Et comment est-ce que, très concrètement, on décide de ça? C'est quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct, d'une sensibilité. Comment est-ce qu'on se dit que pour tel texte, en fait, il va y avoir telle fonte? Bah, là, moi, j'avais déjà... Il y a eu des...
comment, des choix qui ont été faits, c'est-à-dire quand Jean m'a proposé la revue, il m'a dit il y aura des textes de Claude Royer-Journoux. J'ai dit bien, parce que je suis un grand lecteur de Claude Royer-Journoux, un lecteur depuis de nombreuses années. Et il m'a dit on va le mettre au milieu. Et moi, alors donc, je savais qu'il fallait de toute façon que ça risquait de durer dans le temps, puisque je sais que Claude compose ses livres par séquences et que les séquences se succèdent comme ça dans le temps. Et par ailleurs, quand Jean m'a dit on va le mettre au milieu, et ben moi je me suis dit au milieu il y a une agrafe, donc je vais à chaque fois que Claude Royer-Journoux intervient, l'agrafe sera à ce moment-là. Et donc j'ai choisi une police de caractère et je me suis dit je ne changerai pas. Et après le reste je le construis autour finalement. Donc c'est la théorie de Jean, il y a des constantes et des variables dans les revues. Et donc il m'a annoncé quelques constantes comme ça, et après ben, moi je savais à peu près le plomb dont j'aurais besoin pour les constantes, et puis les variables, et ben, justement elles variaient. Voilà. Et on s'est organisé à peu près comme ça, et puis ma foi ça tient jusqu'à aujourd'hui. On parlait du format, des formats de vos revues. On a évoqué les contraintes économiques qui sont liées à la production même des revues, mais il y a aussi le rapport avec les lectrices et les lecteurs. Hervé, à propos de ce format, donc une trentaine de pages de ces petits livres agrafés, je vous ai déjà entendu dire qu'il y avait aussi quelque chose qui permettait d'être dans le rapport avec les lectrices et les lecteurs, dans quelque chose qui n'était pas intimidant. En tout cas, de toucher peut-être des lectrices et des lecteurs qui auraient peut-être plus de mal à se lancer dans la lecture de revues peut-être plus imposantes. Bon, en tout cas, c'est vrai que un petit agrafé comme ça, on peut l'avoir dans sa poche, on peut donc. Et puis, bon, il y a encore une fois la question du prix. C'est-à-dire qu'on le vend en 5 euros, donc ça coûte bientôt le même prix qu'un café ou même moins cher. Donc on peut se dire aussi, ça aussi, ça peut être un élément d'intimidation. Un livre dont on ne sait pas véritablement ce qu'il y a dedans, dont on ne connaît pas forcément l'auteur, et puis qui en plus de ça coûte cher, on va hésiter à l'acheter. Alors qu'au fond, peut-être pour 5 euros, on se dit, bon ben tiens, je vais faire l'expérience. Et donc il y a vraiment cette idée-là. Après, il y a un autre problème quand même concernant le format, que vient d'évoquer à l'instant Eric, c'est la question quand on publie de la poésie, on n'a pas du texte linéaire, et puis donc on a besoin d'espace aussi. Alors c'est très confortable un format comme celui-là, c'est très compliqué un format comme celui-là. Donc là, parfois, on est obligé à des prouesses qui sont des prouesses dont s'occupe notre graphiste et notre typographe. Mais on a souvent même été obligé, enfin souvent, quelquefois été obligé d'inverser le format et de publier des textes en prenant un format à l'italienne. Voilà. Parce que sinon, le vers ne rentrait pas, on aurait eu infiniment de retours à la ligne et c'était pas jouable. Mais ça, c'est une possibilité encore que permet justement un petit agrafé comme ça. Parce qu'au fond, on peut aussi bouleverser sa mise en page et la faire pivoter de 90 degrés. Marion, on le disait, la revue de Belles Lettres existe depuis des dizaines d'années. Vous observez que les lectrices, les lecteurs sont toujours dans un besoin de poésie. Vous réalisez que, vous constatez plutôt qu'il y a toujours cet appétit pour ces lectures. Oui, c'est vrai que. Je suis frappée par le nombre de jeunes poètes qui publient facilement en ligne et qui nous demandent s'il y aurait de la place sur le papier pour leurs poèmes. Je crois qu'il y a encore ce désir, disons, de spatialité, d'objet, poésie chez beaucoup de jeunes poètes. Et les lecteurs, ben, ça me frappe aussi qu'ils sont... Bon, évidemment, la revue coûte 25 euros, mais bon, si on compte le nombre de pages, je crois que ça va à peu près avec les 5. Voilà. Et elle trouve preneur. On a des tirages qui sont constants.
Hervé, Marion évoquait l'importance du papier pour les jeunes poètes. Dans un entretien, vous disiez, je vous cite, « Les textes que nous publions bénéficient d'une sorte d'aura, celle que seul le support papier et le travail typographique qui lui est lié sont susceptibles de produire. » J'ai dit ça. Vous avez dit ça. Je le pense, oui, oui. Oui. On doit se poser la question aujourd'hui de savoir quel support choisir, puisqu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas uniquement le papier, il y a aussi Internet. Et donc, en faisant la revue, c'était aussi une des questions qu'on s'est posées, c'est-à-dire si on peut le faire autrement, on pourrait pourquoi pas penser le faire autrement. Mais là, en l'occurrence, avec le travail typographique qui est fait, avec le choix des papiers qui est toujours différent, des grammages, etc., tout justifie de passer par le support papier, y compris le prix, puisqu'on arrive aussi, en faisant un objet matériel et non pas immatériel, à faire en sorte qu'il ne coûte pas si cher que ça. Mais je pense que c'est la même chose pour toi aussi, mais pour vous aussi, enfin, avec la revue de Belles Lettres. À part ça, on en discutait à midi avant de venir ici. La plupart du temps, les poésies qui sont des poésies publiées dans des revues Internet ne sont rien d'autre que des mises en page papier qui passent sur Internet. Alors pourquoi pas rester au papier aussi ? Bon, on pourrait poser des questions écologiques, enfin j'en sais rien. Rares sont les revues aussi Internet qui utilisent les spécificités du médium, c'est-à-dire des possibilités que nous n'avons pas ici de faire de l'architecte, de véritablement le mettre en espace, de traverser un texte ou de traverser un livre dans sa profondeur. Enfin, un ensemble de possibilités comme ça que pour l'instant, qui sont sur le papier, ne sont pas possibles. Voilà, mais en tout cas, il y a aussi... j'espère, dans cette revue, mais je pense aussi chez mes collègues, un amour de l'objet papier et ne serait-ce que de le manipuler, d'en tourner les pages, sentir l'odeur, enfin bref, etc. Éric, il y a un amour de l'objet papier ? Oui, moi je crois même qu'il y a une nécessité de l'objet papier, du livre tout bonnement. C'est merveilleux quand même ce livre qu'on s'approprie, ou la revue, hein, enfin peu importe, mais qu'on s'approprie à soi, au point de, pourquoi pas, on a noté une page ou je ne sais pas quoi, donc c'est vraiment quelque chose de propre. Et à la fois, c'est tiré à 600 exemplaires, donc c'est un multiple au sens des œuvres d'art, finalement. C'est quelque chose qu'on a chez soi, à quoi on peut revenir sans arrêt. Et à la fois, c'est quelque chose qui se démultiplie, c'est-à-dire que l'expérience de la lecture, là, on parle juste du lecteur et plus des auteurs, ni des typographes, ni rien. Le lecteur ouvre un livre et ne sait pas si, à l'autre bout du monde, ou de la France, ou de je ne sais où, ou en Suisse, quelqu'un n'est pas en train de lire en même temps la même page. Et qu'est-ce qui se produit entre ces deux personnes ? On n'en sait rien, finalement. Mais c'est ce qui fait la beauté de la chose. Et chacun aura sa lecture propre de cette page qu'ils auront lue peut-être simultanément. Et ils ne tomberont peut-être pas d'accord sur le contenu. Donc je trouve que c'est quand même merveilleux. Et donc moi, je crois... Alors je ne sais pas quel type d'expérience propose. Je n'ai pas une pratique suffisamment poussée d'Internet. Sans doute, il doit y avoir des espaces passionnants dans Internet et tout ça, mais je pense qu'on n'a pas encore finalement épuisé tous les possibles du livre. Et pourquoi imaginer les avoir jamais épuisés ? Je pense que le livre est un objet dans le monde, ma foi, qui est assez peu encombrant finalement et qui est susceptible de générer tellement de possible, enfin, et d'intelligence et de pensée que finalement, moi, je m'en satisfais assez bien. Et c'est ce qu'on dit aussi depuis tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte que les lectrices et les lecteurs aussi ont envie et besoin de tenir entre les mains ces revues, puisque on pourrait se dire qu'on a de plus en plus accès à énormément de choses sur Internet, donc de se dire, bah tiens, des nouvelles revues, et on voit, vous en êtes les exemples, que les gens ont envie de ça, ont envie d'avoir les revues entre les mains. Ben moi, je dirais que c'est un rapport à la dématérialisation et à la matière, finalement. Est-ce que l'humain est fait pour vivre dans la dématérialisation ? J'en suis pas sûr.
on a besoin de matière, quoi qu'il arrive. Et pour le vinyle, la musique, on le voit bien. Alors, il y a un truc qui est un peu pervers, puisque maintenant, les enregistrements sont faits en numérique et ils sont donnés sur du vinyle. Donc, bon, en tout cas, au moins, le disque est un objet. Le disque vinyle est un objet qui tient, un objet dans le monde qui tient un peu mieux quand même que le disque, comment on appelle ça, le CD, quoi, qui a une plus belle matière. Mais c'est le rapport entre... l'ordinateur. Comment on peut taper les textes à l'ordinateur et être ensuite imprimé avec des plombs et... Oui, tout à fait. Oui. Mais toujours est-il, moi, c'est le rapport entre la matière. Je pense qu'on peut pas s'en dispenser, on en a besoin. Et puis voilà. Donc moi, je fais confiance à la matière finalement. Hervé, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je voulais juste rajouter une chose quand même, c'est que les trois revues ont un site aussi internet, donc on est présent aussi, enfin toi avec ta maison d'édition, mais sur laquelle est Cauchequenong. Et nous en tout cas, on utilise aussi le site pour prolonger la revue, c'est-à-dire qu'on trouvera sur le site par exemple la possibilité de lire en ligne une ou deux pages de chacun des numéros, et puis depuis quelques numéros on fait systématiquement aussi une interview sous la forme de trois questions, ni plus ni moins, adressées soit au traducteur, la traductrice, ou l'auteur ou l'autrice qui est publié. Donc les choses ne sont pas séparées non plus, enfin, il y a aujourd'hui effectivement des allers-retours qui se font en permanence, et peut-être qu'un jour, je n'en sais rien, arrivera à l'Ours Blanc une proposition d'un texte qui ne pourrait exister que par Internet, et pourquoi pas, on en ferait peut-être un numéro sur le site, si ça se justifie, quoi. Je vois qu'il est déjà presque l'heure de nous quitter. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions sur l'une ou l'autre de ces revues, ou une réflexion à partager ? Non ? Merci beaucoup. Merci infiniment à tous les trois. Donc la revue de Belles Lettres, L'Ours Blanc et Cauchequenong. Donc trois revues, si vous ne les connaissez pas encore, à découvrir absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bonne journée. Est-ce qu'on pourrait dire merci aussi à Entre Revues, qui est l'architecte de cette rencontre. Et ils font un travail extraordinaire pour les revues. Qui est à la fois patrimonial, mais aussi qui suit leur actualité, qui les soutient. Je crois qu'il faut vraiment le dire. Quoi. Voilà. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous, et bonne fin de festival.